quoi que ce soit, de penser une seconde que on mange, tout est divin. Un homme, il est vado. Il n'y a rien autre caché. C'est lui le maître absolu de nos pensées, nos corps, nos actions. C'est lui qui est en charge du monde. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui a créé. Et il continuera à le faire jusqu'à la fin des temps. Alors, les attachés, qu'on soit zorés de pouvoir suivre les pas de ces grandes sadikim. Amen. Et de pouvoir éduquer nos enfants dans ce derrière. Et je m'adresse ici à nous tous. Parce que nos enfants, plus que nous, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que je suis en front line et je peux vous le dire. Si nous on a réussi à faire tchouva, et des fois quand on pense à notre tchouva, quand on écoutait pas les tchouva, on dit waouh, quelle chance on a eue. On s'en est sorti. Hachem m'a envoyé ce chalia, Hachem m'a envoyé cette opportunité, Hachem il m'a déclenché. Mais il faut savoir que nos enfants sont beaucoup, beaucoup plus en danger que nous, et il y a beaucoup plus d'écrans. Et même si on pense qu'ils démarrent mieux que nous, parce qu'on les a amenés dans le faux monde avec déjà un petit cran d'avance, c'est absolument faux. Parce que les influences d'aujourd'hui sont tellement terribles, ce qui se passe à l'extérieur est tellement beaucoup plus puissant que ce que nous on avait, les polémiques, la confusion, l'internet et toutes les saloperies qui s'en suivent, elles sont tellement plus puissantes que ce que nous on sur nos enfants. Et voilà l'arme diabolique de tous les temps, c'est celle-là. Celle-là, il ne peut pas trouver mieux que ça, ça. Regardez-le bien. Oui, il faut connaître son ennemi, bien le connaître, si tu veux le battre. Alors, il faut savoir qu'on est dans une génération de très grande guerre. Alors, Beth Hachem, Rabbi Moshe Ben Maimon, Rabbi Yaakov Sira, je vous prie, protège nos enfants. Amen. Ces enfants, Amen. Ils seront, on va allumer la bougie. On va allumer une bougie d'abord de notre sadiqué. Voilà, alors là, c'est très bien. La première bougie, c'est toute la mishpaha Abou Hatira. Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, avec toute la famille, Rabbi Mishraud, Rabbi Abraham, Rabbi tous, Baba Hana, tous ils sont là, avec ton Baba Salé, Baba Haki, tous, Abed Hachem, qui aura le zéroul? Les 100 dollars, j'ai 100 dollars, j'ai 200 dollars, la première bougie, elle est très puissante la première, 100 dollars, est-ce que j'ai 200 dollars avec un petit coup de vodka, 200, j'ai 200 dollars pour la première bougie. On a 260 et on termine, il y a 260 pour la lune. On veut allumer la bougie de Rabbi Yaakov et de sa famille. On a 260. C'est un cater à brut. J'ai 260. Tu as 260, est-ce qu'on a 320? Tu l'as dit que tu l'allumes. 320 dollars. Sans mariage. Adam Benaroche. Hey. Adam. À son mariage, bah, il s'est fait un peu de chapitre.